Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Fire Nord Rotterdam contre l'Azio de Rome. C'est un match qui a lieu ce mercredi 25 octobre 2023 à 18h45 pour le compte de la troisième journée du groupe E dans cette Ligue des Champions. Alors, dans cette vidéo, les amis, eh bien je vais revenir sur le classement du groupe E avec les statistiques et résultats pour voir un petit peu la situation du moment. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions et aussi meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes. On enchaînera par les 10 résultats. 10 derniers résultats, toute compétition confondue pour ces deux équipes avec les stats. Ça permet de déterminer la forme du moment et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelle, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 3. Allez, c'est parti dans ce groupe les amis. Euh, en premier, on a l'Atlético de Madrid et là, la Lazio Drome qui est premier execo, deuxième de ce groupe, avec 4 points en une victoire, un nul, aucune défaite, 3 buts marqués, 2 buts encaissés plus 1 de différence de but. Euh, là, la Lazio Drum. Au premier match, ils ont fait un partout contre la Ligue de Madrid. Et au deuxième match, ils ont gagné 2-1 au Celtic de Glasgow. Donc voilà, on, ça cible un petit peu euh, le niveau, là, la ladio. Euh c'est un bon démarrage, Feyenoord de son côté est troisième avec 3 trois points une victoire, une défaite, 4 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 1 différence de buts. au premier match Feyenoord de Rotterdam a gagné 2-0 chez eux contre le Celtic de Glasgow et au deuxième match ils ont perdu 3-2 à l'Atlético de Madrid mais c'était un match très serré donc on a d'un côté Feyenoord qui a battu le Celtic de Glasgow à domicile 2 0 et contre la de Rome qui a gagné au Celtic de Glasgow 2-1 deux équipes qui semblaient peut-être à peu près du même niveau au niveau des buteurs et passeurs alors euh, on n'a aucun joueur à au moins deux buts et au moins deux passes décisives dans les deux équipes, mais c'est normal, c'est le début de la saison. Euh, il faut attendre encore quelques matchs. Allez, les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Pour le Feyenoord Rotterdam, ces huit victoires annulent une défaite seulement. On va revenir dessus. 36 buts pour 9 contre plus 27 de différence de but. Le Feyenoord Rotterdam réalise un début de saison époustouflant. La seule défaite qu'ils ont dans les 10 derniers matchs, c'est justement le match à l'atlético de Madrid perdu 3 buts à 2. Sinon à la deuxième journée de championnat, ils avaient fait un 2-2. Mais regardez-moi ces scores, ça paraît assez incroyable. Ils ont gagné 6-1, 5-1, 6-1, 4-0. Euh, 4-0 la dernière journée contre Vitesse Arnhem. Si vous regardez les derniers matchs chez eux, ils ont gagné 4-0 contre Vitesse Arnhem, 3-1 contre Go Eagles, 2-0 contre Celtic Glasgow, 6-5 contre Erevan, 6-5 contre Elmer City. Bon, c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal, qui est capable de marquer beaucoup de buts, donc qui doit être très dangereuse. La Lazio, sur les 10 derniers matchs joués, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 14 buts pour 12 comptes, plus 2 différences de buts. Elle marque beaucoup de moins de buts, la Lazio. Hein. Il reste quand même, toute compétition confondue, sur 3 victoires d'affilée. Et à l'extérieur, sur une victoire 2-0 à Sassuolo, une victoire donc 2-1 au Celtic Glasgow. Euh, si on remonte un peu plus loin, ils ont perdu 3-1 à la Juve, ils ont gagné 2-1 à Naples, euh, tiens 2-1 à Naples, qui était quand même champion d'Italie. Donc là, Lazio, c'est l'équipe qui est capable aussi de réaliser des grands matchs, elle a gagné 2-1 à Naples. C'est quand même une très belle performance. Euh, donc ça risque d'être un match très 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 intéressant au niveau des compos d'équipes possibles. Alors pour la Feyenoord, ça serait en tactique du 4-2-3-1 avec gardien Reuter. défense Gertruda, Nieuw Kop ou Troiner, Anko, Hartmann, milieu de terrain défensif, Wiffer et Timber, milieu offensif, Elier, Minté, Stengs, Pixao et attaquant, Rimenez. Et pour la Lazio drome ce serait du 4-3-3 avec gardien Provedol, défense, Lazari, Patrick, Romagnoli, Isage, milieu de terrain, Kamada, Vecino, Luis Alberto ou Gendouzi, attaquant, Felipe Anderson, Immobilier ou Castellanos et Zaccani. Je pense quand même qu'Immobilier, euh, vu son expérience, devrait être titulaire, même s'il marque moins de buts en ce moment. En tout cas, je le souhaite qu'il soit titulaire et en super forme. Et les amis, ça va être un duel énormissime parce que Feyenoord démonte qu'ils sont capables de gagner des matchs, de faire des résultats. Il est un dangereux concurrent dans ce groupe. Et la Lazio, ben, justement, euh, réalise un bon début. En tout cas, en plus, les deux équipes vont s'affronter d'abord à Feyenoord et après à la Lazio. Il y en a une des deux, peut-être, qui peut vraiment faire la différence sur les autres. Peut-être que ce sera Feyenoord, peut-être la Lazio, en tout cas ça peut être un match explosif les amis. Donc je vous donne rendez-vous euh, ce mercredi 25 octobre 2023 à 18h45 pour le match de la troisième journée du groupe A dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le Feyenoord Rotterdam reçoit la Lazio de Rome. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.